Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur 5M, sur le serveur Calvian Scenario, qui a récemment ouvert en étant bêta test pour l'instant. Et donc là, je suis, comme vous voyez, j'ai changé de mode graphique sur 5M. Je suis avec NVE parce que je trouve qu'NVE était un des meilleurs modes graphiques disponibles sur le marché. Surtout que là, depuis que j'ai changé de PC, je me gâte, j'ai mis les settings à fond avec les add-ons et tout. Et j'ai utilisé également, petite nouveauté, un petit plugin qui est disponible sur le Discord des mecs qui font Natural Vision Evolved, qui est un upscaler qui me permet d'avoir plus de FPS, qui upscale un peu ma qualité. Donc je connais pas trop les techniques de ça, mais je sais que ça fonctionne un peu, donc ça me donne un anti-aliasing un peu mieux que celui de base qui est de la merde. Et donc du coup, ce soir, on est en session spéciale BCSO Vintage. Un peu un clin d'œil à The Walking Dead, la saison 1, avec Rick Grimes. Donc on a mis les vieilles tenues et tout. Donc on est en patrouille rétro ce soir sur le secteur. Oula, de Grapside. Donc on couvre plus ou moins tout ce secteur-là. Je sais pas si on va parler là. J'ai comme raté le briefing parce que je suis arrivé en retard. Donc on va être parti avec ça. Donc on a notre petit loadout rétro. Donc j'ai décidé de m'arrêter pour prendre le service sur ce coin-là. On est avec cette Grand Vic du BCSO. Ah, pas mal. Avec les petites lumières basées Walking Dead. C'est vraiment une belle voiture que j'aime bien. Donc on va être parti. Je vais allumer la radio et puis je vais dire que je suis disponible aux appels. Oula. Voilà. 785 King disponible aux appels. Visual 5, c'est. Oula! Attention, stop là! Il manquait de me sortir de la face! Fait qu'entre-temps, si c'est 27. On va vérifier ça si c'est. 754 King, on répond à la bagarre en cours. C'est. 18, 7. 797 King, on intervient, on est à côté. Shotfire en Oh cours, putain. Shotfire en cours, besoin de backup. 707 King sera sur place code 3. 724, code 3. 785 King en direction code 3. Putain, bon, on a des coups de feu là. Je pense que ce bloc-là, c'est où est-ce qu'il y a le club de motards. 77 à toutes les unités, faites un barrage de toutes les routes du secteur au niveau du 720. Barrage des routes. On va répondre, on va voir ce qui se passe. Putain, la voiture qui se salit, ça me pète les couilles. Bah vas-y, sors! Je t'attends! Tu veux montrer quoi alors? Sors de là! Arrête tes conneries! Je t'ai dit que je suis dehors! De gare! Sors de ta bâtisse là! Viens nous voir! Si t'es un homme! Moi, je reste chez moi. Et montre-moi tes flingues! Voir ton arme! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y! Qu'est-ce qui se passe? Bon, messieurs, on va se calmer! J'ai juste entendu coup de feu! Personne ne veut tirer sur personne! Écoutez-moi! Personne ne veut tirer sur personne! C'est stylé, ça me. En plus, c'est moi qui l'ai texturisé, c'était mapping là. Le moindre incident, si vous levez ne serait-ce que le petit doigt sur ce flingue, on n'hésitera pas à vous descendre. Oui, j'avais bien saisi l'idée. Bien, voilà. Je sais qu'on est au Far West. Donc, on n'est pas au Far West, je vais vous expliquer. Là, ce que vous allez faire, dites à votre ami là derrière qu'on puisse le voir là. Dites-lui de revenir. Et vous, vous restez également en évidence, on veut voir vos mains. Putain, vous allez c'est descendre stylé. De cet escalier doucement. C'est vous le comprenez, chérif, j'ai pas envie. Je suis chez moi, je suis tranquille. Oui, vous êtes chez vous et vous avez apparemment tiré, donc. Vous voulez pas venir boire un coup plutôt? Non, on va pas venir boire un coup, on va rester là où on est. Par contre, c'est vous qui allez venir, parce que si on doit venir vous chercher, à mon avis, ça risque de mal finir pour vous. Donc vous descendez de là. Je suis d'accord avec Jason, Jason, dis à tes collègues d'avancer là. Je veux tous les voir là. T'as Bobby. Y'en a trois là. Descendez.
Vous descendez, on va te donner une bière, mais vous descendez tous. Allez. Bobby qui amène une bière. Putain. Il y a Bobby qui amène une bière, il va descendre avec sa bière lui aussi. Allez, dépêchez-vous. Attendre de voir ce qui se passe, je suis en train d'observer. Si on doit venir vous chercher, à mon avis, la bière elle risque de mal finir. C'est ce qui va arriver si vous bougez pas de là. Raison de plus pour descendre, si vous voulez que ça se passe bien, vous descendez de là, immédiatement. On va pas chercher. Ah putain, c'est chier. Descends là. Putain. Voilà. Descends là. Ton copain va revenir, mais en attendant, tu descends. Je ne vais pas le répéter. Il est où le troisième? Il est où le troisième? Très bien, monsieur, vous l'aurez cherché. Ok, on va préparer une colonne. Ouais, c'est reçu. Sergent, vous voulez qu'il y ait une unité qui aille derrière là, ou pas? Oh là là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, nom de Dieu? Ça me rappelle Hockey Choral, ça. Ah bon, carrément. Vous restez là, bougez pas, messieurs. Je me remets sur mon poste à droite. Ouais. Ok, il faudrait qu'il y ait une unité qui fasse le tour là. Je vais faire le tour. Est-ce que vous pouvez accéder à droite là au niveau? Il y a pas une entrée là à droite là? Bah à droite, la porte rouge elle est ouverte. Ok, ouais, mais on va pas rentrer là parce que le problème c'est qu'on peut pas monter autrement là. Il y a juste cet escalier là. Ah, il y a des barbelés sur la droite. On veut vous voir, vous avancez immédiatement ou on vient vous chercher. Il s'est caché. Il a ramassé quelque chose. Ouais, de 785 King, je l'ai vu accroupi derrière le comptoir. Hein. Il était en train de ramasser quelque chose, je crois. Putain, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Levez vos mains, vous venez devant l'escalier, les mains en évidence, arrêtez de vous accroupir, ouais. Sinon on va devoir tirer. Il se cache derrière le comptoir. C'est votre dernière chance avant qu'on vienne vous chercher. Monsieur, on va vous venir vous chercher. Avancez vers nous. Levez vos mains. On peut voir immédiatement vos mains. Restez là. Ok, son collègue est revenu. Le seul accès c'est la montagne. Attendez messieurs, vous restez là pour l'instant. Ils sont trois, on les voit déjà. C'est pas une idée. On peut essayer de monter sur le toit. Attention. Oh putain. Ah, ah, je suis blessé. Shot fire. Ah. Ouvrez le feu sur ces fils de pute! Je l'avais dit que ça allait finir comme Hockey Choral, sergent! Oh, on est une pute à terre! On est blessé, faut se replier! Ça fait chier!
sortait. C'est grave, un 5 King, j'ai plus aucun mouvement. Attention. Au sol. Tout le monde au sol. Ok, j'ai le troisième dans la vision. Mets-toi au sol. On veut voir tes mains. Okay, je m'occupe. Gardez les mains en évidence. Je vois votre épaule depuis. Tu te mets à terre. Mets-toi à terre. Garde tes mains en évidence. Je le note. Ok, Carter, faites le tour et me noter. Ouais, je me note. Regarde au chaud avec le pompe. Ok, on attend que vous ayez menotté les deux autres. Attention les crossfire. C'est menotté, attention, j'arrive. Putain. C'est menotté. Okay. Ah bon dieu. 724 King. Vous allez bien, les putis? Vous avez une trace de sang dans le dos là. C'est 6C27, correction. On te rappelait des paramédics. Ah ouais, je vous l'avais dit que ça allait finir comme Hockey Corral. Hein. Ah oui, non mais. Ça finit. Carter, Kruger, vous occupez des deux suspects ici. Pratt, prenez des agents avec vous pour vous occuper. Ouais. Ah, il y en a un autre là-bas, mais il faudrait vérifier aussi l'intérieur. Hein. Ça a déjà été okay, fait. Ah oui. Carter, vous prenez le. Ouais, vous prenez celui-là. Pratt, attendez, je vais vous prendre le. Ah putain. Ouais. Monsieur, est-ce que vous êtes avec moi? Ça a fini en bain de sang. Monsieur! Ouais. Attendez, je vais. Pratt ? Ouais. J'ai plus de. Il est mort. Ah ouais ? Bon. Ouais, lui au milieu. En salopette bleue. Moi j'ai rien ici. C'est médic. Ah, j'ai un pouls faible ici, j'ai un pouls faible. Ok. On a des ambulances qui sont envoyées là ? Ok, parfait. Putain. C'est ça, 85 King, quelqu'un pourra apporter une trousse médicale sur le toit, hein? Tenez. Ouais, parfait. Je vais mettre la pression. On va essayer de mettre des bandages. Est-ce que les trois sont touchés par balle ou... le troisième là-bas. Bon, sergent. Ouais, j'ai réussi à stabiliser un petit peu. Il y a un pouls, lui. J'ai mis un bandage pour ça. Il était touché deux fois au niveau de la hanche. Donc pour l'instant il est plus ou moins stable, mais il y a des paramédics sur la route ou pas là? Ouais, je crois bien des paramédics
Service. Non palpable. C'est ça. D'accord, parfait. Bon bah, je vais. Bon. Le sang qu'il a perdu à mon avis. Le drap aussi, on peut lui mettre un drap à lui aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Lui il est vivant, bah, encore vivant là, il y a un pouls faible. Il était touché au niveau de la hanche. Messieurs, on se concentre sur celui qui est encore vivant là, les deux autres sont morts, on met un drap dessus. Ouais, lui j'ai réussi à le stabiliser, je l'ai mis un bandage au niveau de sa plaie, mais je sais pas pour combien de temps il va être encore les paramédics, avec nous. Du temps, on va sûrement les emmener directement à la medical service. Ah bah. Vous allez le mettre dans le Tao? Ce sera le plus grand, donc ouais. Ouais, faudrait l'approcher, ça va être compliqué de le descendre. Ça va être compliqué de le descendre. Vous allez, bien avec moi. Vous allez le tenir. Carter, Grant, vous allez prendre le suspect avec Pratt, vous allez l'emmener dans le Tao, je vais chercher le Tao. Putain de merde. Il s'est passé quoi à la base ici? Moi j'ai rien compris. Hein. Mais en fait, ils tiraient. En... Je crois qu'ils ont. Ah, attendez, attendez. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Shérif de Blaine County, vous avez été blessé par balle. Vous vous transportez à l'hôpital? Le haut-parleur qui est là, il a disparu. On va le transporter? Ouais. Il Oula, ouais. Elle vient de réapparaître. Il vient de se réveiller, il a craché du sang, fait attention. On va le... Il faut qu'on le bouge. Ouais. Monsieur Grant? Des petits Grant? Monsieur Grant. Oui, monsieur? Grant? Au niveau de la hanche, monsieur. Mais on n'a pas un instant, monsieur... Des petits Grant. On y va, allez. Allez, il est conscient, sergent, il est conscient. Allez, on le prend. Allez. Allez. Allez, on le met sur la planche. Attention. Allez. Vous voulez que je le porte ou... Allez, on soulève. Vous voulez que je le porte, ah d'accord. Bah, on le porte à plusieurs. Ah d'accord. Bon, je nous signale en direction. 785 King et 777 King en direction du Medical Center avec le blessé. Hein. Ah, c'était une intervention bien mouvementée, je pensais pas que ça allait finir en fusillade comme ça à la western. Votre distance. Vous êtes mis dans un beau pieu, Ouais. Vous êtes le seul survivant. Ils sont tous morts. Ah mais y a pas de medical center ici. Tentative de meurtre sur un officier de l'autorité publique. Également dégradation de biens privés, biens publics. Enfin. Oui mais. Ils nous ont tiré dessus. Allez, hop. Bon, je vais vous aider à descendre. Bah je vais vous prendre. Allez, on le prend. Allez messieurs, garez les Allez. Véhicules et sortez-les. Il y a sûrement des ambulances qui vont arriver encore. Donc bougez les véhicules, on y va. Ouais. Bon, j'allais me présenter. Bonne chance monsieur. Bon, la Cranvic, elle est où? Venez Pratt. Vous avez ramené ma voiture ou c'est... Non, c'est pas la mienne là-bas. Négatif. Ah putain. Attendez. Aïe. Ah. Putain, mais sergent, la merde. Ah, Cranvic est là. Ouais, bah c'est parce que. Merci. Merci bien. Putain. Ah là, attendez. En fait, j'ai pris la vôtre. Ah, d'accord, bon bah. Merci de l'avoir regardé au show. Hein. Allez.
Oh putain. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.